وعليه لابد من إيجاد حلول ولو بشكل جذري. القضاء على الإرهاب والتعاون معا من أجل الرقي والتقدم المجتمعات. ولا شك أن مبادرات رؤساء الدول ترمي إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية في هذه البلدان. كما تعلمون وأن مشير تشاد إدريس ديبي إتنو الذي ما فتئ يعمل وسيظل يعمل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية وتحقيق السلام والنمو والازدهار في هذه البلاد. به مشير تشاد إدريس ديبي إتنو من أجل تعزيز السلام وحماية كمال الأراضي الوطنية وأيضا حماية الدول الأفريقية المجاورة. وكما تعلمون دور تشاد في تعزيز الأمن في المناطق الحدودية الواقعة أي المتاخمة لبحيرة تشاد، وأن مشاركة البلاد في كل من نيجر وكامرون ونيجيريا دلالة واضحة على اهتمام وعناية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو لأجل تعزيز السلام والأمن وتوفير الخدمات الإنمائية لهذه الشعوب في المنطقة. هي كما ذكرت آنفا موريتانيا، بوركينا فاسو، مالي، النيجر وتشاد، وأن مقررات اجتماع الخبراء الذين درسوا مختلف القضايا الأمنية وترشيد السياسات الجمركية وأيضا السياسات الإنمائية والسياسات التغيرات المناخية وتمكين الشباب وتوفير الفرص لهم لهي جد مسائل هامة تهم قضايا المجتمعات في الدول الخمسة. وهنا بجوار الزميل غرانغا تشام ربما يريد أن يدلي بدلوه وتقديم ما يمكن تقديمه من معلومات إضافية حول مؤتمر رؤساء دول المجموعة الخامسة في الساحل. تفضل تشام. Mesdames, Messieurs, nous sommes à l'hôtel prestigieux Radisson Blu pour vous faire vivre en direct le sommet extraordinaire. C'est la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, une organisation sous-régionale créée il y a de là 7 ans, précisément le 14 février 2014, créée à Nouakchott sous les auspices du président du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et de ses pairs de la bande sahélienne. Aujourd'hui, le sommet de N'Djamena vise à passer en revue les différentes étapes, les marches effectuées par cette grande opération militaire, une opération sécuritaire qui vise à rétablir, bien sûr, si vous permettez, la tautologie, la sécurité dans la bande sahélienne qui a été longtemps affectée par les milices armées, le terrorisme et aussi bien d'autres actions qui compromettent le développement. Président de la République du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de G5 Sahel, Son Excellence Monsieur Mohamedou Issoufou, président de la République du Niger. Son Excellence M. Romain Christian Kaboulé, président du FASO. Son Excellence M. Bandao, président de la transition du Mali. L'hôte du sommet, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Son Excellence Edil El Othmane, Premier ministre représentant le roi du Maroc. Le général de corps d'armée Ibrahim Gabir, membre du Conseil souverain de transition du Soudan. Monsieur Vangondo Diomandé, ministre.
ministre de l'Intérieur et de la Sécurité représentant le président de la République de Côte d'Ivoire. Son Altesse Cheikh Chakbout bin Nahyan Al Nahyan, ministre d'État des Émirats Arabes Unis. L'ambassadeur Moussa Faki Mahamad, président de la Commission de l'Union africaine. Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Madame González Laya María Aranzazu, ministre espagnole des Affaires étrangères, Union européenne et de la coopération, présidente de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel. L'ambassadeur Hamdi Sanat Loza, vice-ministre des Affaires étrangères chargé de l'Afrique de la République arabe d'Égypte. Monsieur Mohamed Ibn Chambas, représentant le secrétaire général des Nations Unies. Docteur Sidi Oul Taha, directeur général de la BADEA. Et nous avons aussi plusieurs représentants de la France, la Fédération de Russie, la République fédérale d'Allemagne, la République populaire de Chine. Distingués invités, mesdames, messieurs, la cérémonie solennelle d'ouverture à laquelle nous prenons part va se dérouler selon le programme ci-après. Dans un premier temps, vous aurez à suivre le discours de bienvenue du maréchal du Tchad, président de la République du Tchad, chef de l'État. Ensuite, nous donnerons la parole aux invités spéciaux et enfin, le discours d'ouverture solennelle du président en exercice du G5 Sahel. Avec la permission du président en exercice du G5 Sahel, nous invitons le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a livré son message de bienvenue. Avant de donner la parole au maréchal, nous avons un invité spécial, Dr Cheikh Tidiane Gadio. Votre permission, je vais enlever ce masque pour parler. Merci. Monsieur le Président en exercice du G5 Sahel, cher frère Mohamed Ould Ghazouani, cher frère chef d'État et chef de délégation, Monsieur le Président du Conseil européen, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Madame la Présidente de l'Alliance Sahel, Monsieur le Secrétaire exécutif du G5 Sahel, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, tout protocole observé. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous demander de bien vouloir observer une minute de silence pour toutes les victimes civiles et militaires qui sont tombées sous les lâches coups de groupes terroristes. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes honorés de votre présence au Tchad
à l'occasion de la tenue de cette conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Au nom du peuple tchadien et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue au Tchad et vous adresse mes salutations les plus fraternelles et mes vifs remerciements pour cette marque de reconnaissance. Permettez-moi de saluer la présence parmi nous de nos frères, le président Nana Akufo-Addo, président du Ghana et le président en exercice de la CEDEAO. Bien entendu, à 15h, nous attendons notre frère, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, va nous rejoindre. Nous sommes très reconnaissants aux appuis multiformes, en particulier financiers, de la CEDEAO et de l'UEMOA au profit du fuseau centre de la force conjointe du G5 dans le cadre de son plan d'action pour lutter contre le terrorisme. Nos salutations et remerciements à notre ami Charles Michel, président du Conseil européen, pour son engagement et sa détermination pour la cause du Sahel. Nous voulons le rassurer de la place privilégiée que le pays du G5 Sahel accorde au partenariat avec l'Union européenne. Je voudrais particulièrement remercier l'Organisation des Nations Unies et son secrétaire général pour leur compréhension de la lutte que mènent les pays du G5 Sahel et leur exprime tout l'espoir que nous portons sur eux pour la réalisation des objectifs liés à la problématique sécuritaire ainsi que ceux du développement durable dans l'espace sahélo-sahélien. Ces efforts pourront être encore couronnés de plus de succès si nous obtenons le mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour la force conjointe du G5 Sahel. Nous adressons une mention spéciale pour notre organisation continentale, l'Union africaine, à travers tous ses dirigeants, pour leur accompagnement et toute la considération qu'elle porte à la survie de notre institution, notamment le déploiement des éléments de la force africaine au profit de la force conjointe. Nous saurons compter, sur son soutien permanent à nos côtés. Nous tenons à remercier tous nos partenaires, notamment la coalition pour le Sahel, l'Alliance Sahel, avec qui nous avons une rencontre demain pour parler des actions de développement, le Partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel, pour les multiples appuis qu'il nous apporte afin de renforcer les capacités de notre institution à bien accomplir sa mission. Je n'oublie pas Cheikh Tidiane Gueddio, président de l'IPS, Institut panafricain pour la sécurité,
qui nous a rejoints en sa qualité d'invité spécial avec nous. Et tout son apport. Merci, mon cher frère. Distingués invités, mesdames et messieurs, en décidant souverainement, il y a quelques années, de mutualiser nos visions, nos forces et nos ressources, afin de faire face résolument aux grands défis qui menacent notre vaste espace commun, nous avons pris le rendez-vous avec l'histoire. Nous avons pris l'engagement résolu de prendre notre destin en main, car notre espace a connu une combinaison macabre de calamités à répétition, tant d'origine naturelle que du fait de l'homme. Aujourd'hui, nos défis sont encore pris une tournure plus inquiétante. Aux défis liés à la pauvreté et à l'insécurité consécutive à la menace terroriste, nous faisons face aux conséquences multidimensionnelles de la pandémie de coronavirus. Cette pandémie a fortement compromis les immenses sacrifices consentis sur le terrain de la sécurité et du développement dans notre espace sahélien. C'est pourquoi nous devons nous transcender pour conjurer les maux qui nous assaillent. Les populations de l'espace sahélien qui vivent au quotidien les affres de la guerre, les attaques terroristes attendent de nous tous des actions concrètes et pragmatiques qui améliorent la situation sécuritaire sur le terrain. Si nous pouvons nous réjouir du niveau de la dynamique commune qui est mise en marche dans la lutte contre le terrorisme et l'obscurantisme, le bout du tunnel n'est pas toujours perceptible. La nébuleuse terroriste qui affine sans cesse leur stratégie criminelle en faisant montre d'une rare résilience continue à mettre nos efforts à rude épreuve. Bien entendu, cette obstination macabre doit au contraire cimenter davantage notre unité d'action et galvaniser notre détermination collective à contenir le terrorisme, mieux à l'endiguer. Notre volonté partagée de vaincre au plus vite le terrorisme dans le Sahel doit s'accommoder d'un réel engagement. Cet élan de mobilisation des États du G5 Sahel doit être soutenu et renforcé par l'ensemble de la communauté internationale. Ce soutien est même vital, car il y va de l'avenir de toutes nos nations. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, le succès de la lutte contre le terrorisme est fortement tributaire des actions de développement. La misère et la précarité matérielle alimentent et fertilisent le terreau du terrorisme et du radicalisme violent dans notre espace. Si j'ai des jeunes ont choisi par désespoir le camp du mal, il nous revient de créer les conditions nécessaires de bien-être social en vue de les soustraire aux griffes de monstrueuses organisations terroristes.
À cet égard, le financement des programmes et projets de développement est un impératif de premier ordre, car toute opportunité socio-économique créée est une arme de destruction du terrorisme qui est ainsi mise au point. Au demeurant, le programme d'investissement prioritaire de notre organisation est sans nul doute la clé du succès de la bataille que nous menons sur le front sécuritaire et terroriste. Tout en saluant les inestimables apports des pays amis et nos multiples partenaires, j'en appelle à plus de contributions pour donner un relais particulier à l'action salvatrice. Aucune adversité ne doit éroder notre détermination à relever nos défis et saisir le futur sous le prisme de l'espoir. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour clore mon propos, je voudrais très chaleureusement féliciter et rendre un hommage mérité à mon frère le président Mohamed Ould El Ghazouani, qui a su conduire la deuxième partie, qui est celle de la prise de parole par nos invités spéciaux. Mais avant, avec la permission des chefs d'État, nous voulons signaler la présence parmi nous du président de la commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Cassibrou, et du chef de la mission onusienne pour le Mali, l'ambassadeur Mamad Saleh Anadif. À présent, nous invitons Son Excellence M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, à prendre la parole. Your Excellency, Marshal Idriss Déby Itno, President of the Republic of Chad. Your Excellency, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the Group of Five Sahel. Your Excellencies, the Heads of State and Government of the Group of Five Sahel. Your Excellency, Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the Commission of the African Union, Your Excellency Jean-Claude Cassibrou, President of the Commission of ECOWAS, Your Excellency Mohamed Ibn Chambas, Representative of the United Nations Secretary General for West Africa and the Sahel, Your Excellencies, representatives of foreign governments and international organizations, fellow Africans, ladies and gentlemen, I thank His Excellency, the Marshal Idriss Déby Itno, President of the Republic of Chad, and his government for the very warm welcome accorded my delegation and I, and for the excellent facilities placed at our disposal since our arrival here in N'Djamena. We're greatly touched by this warm hospitality.
President Deby has been at the forefront of the fight against terrorism in Central and West Africa, and we commend him for this unwavering commitment. I express also my appreciation to His Excellency Mohammed Ousheikh El Ghazouani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the Group of Five Sahel Group of States, pour avoir m'adressé une invitation en m'invitant en tant que président, n'est-ce pas, de la haute autorité de l'Afrique de l'Ouest et participer à cet important sommet des États des chefs d'État de G5 Sahel. Cette réunion nous offre une opportunité de construire une synergie et adresser les problèmes communs d'intérêt de tous les États africains et de la communauté internationale par rapport à la sécurité et le développement dans la région du Sahel. La région du Sahel, avec sa population de plus de 300 millions d'habitants, est confrontée à plusieurs défis, en incluant les problèmes, l'instabilité politique, les menaces et la sécurité, et les trafics illicites, les défis environnementaux et l'extension de la violence extrémiste et des groupes armés. Malheureusement, les activités terroristes ont créé un réseau au niveau des organisations en organisant des crimes au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Toutefois, cependant, depuis les attaques en Côte d'Ivoire en mars 2016, il y a une menace et une atteinte, n'est-ce pas, de l'expansion, n'est-ce pas, du groupe terrorisme à travers au sud. En fonction, après, n'est-ce pas, les données de l'Afrique de l'Ouest en 2020, 833 attaques ont été enregistrées dans la région et plus de 2137 morts, incluant autant les militaires et les civils. Durant, n'est-ce pas, le trimestre 2020, 253 attaques ont été enregistrées et 625 morts. Comme cela a été noté, il y a eu une persistance des attaques terroristes, particulièrement, n'est-ce pas, dans les pays du Burkina Faso, Mali, Niger et Nigeria. Et les forces nationales et internationales ont intensifié des opérations contre la violence, contre le groupe terroriste qui attaque les populations civiles et pour, n'est-ce pas, les communautés locales, contre les uns et les autres en essayant de détruire la cohésion sociale. C'est évident que le terrorisme est la menace de sécurité dont l'UMOA et la France. C'est pour cela que les États de la communauté ouest africaine ont adopté le 21 décembre 2019 un plan d'action 2020-2024 pour un plan d'action pour éradiquer le terrorisme dans cette région. Ce plan prend en compte, en fonction des groupes qui existent comme le G5 Sahel, la force multinationale sur le bassin du lac Tchad, l'opération Barkhane et l'initiative Accra est une initiative pour promouvoir la coopération et la coordination entre les services de renseignement et pour faciliter à ses membres et mis en place pour compléter et renforcer les efforts déployés au niveau de ses frontières. Le plan d'action contre le terrorisme, n'est-ce pas, l'institution pour contre le terrorisme. Tous ces pays ont mis les efforts pour une stratégie d'action et les initiatives pour
avec tous les partenaires pour combattre l'extrémisme. Les objectifs prioritaires de ce plan sont contenus pour éradiquer, n'est-ce pas, l'expansion rapide du terrorisme. Je voudrais saisir cette opportunité pour réaffirmer à cette Assemblée la détermination des chefs d'État de la France et de son gouvernement pour la mise en œuvre, pour la réussite de la mise en œuvre de ce plan. Lors de la dernière, du dernier sommet du 23 janvier 2021, un total de 500 millions de dollars ont été déjà mobilisés par les États de l'UMOA. Entre autres, 100 millions de dollars ont été déboursés. La République fédérale du Nigeria a pris l'engagement de 350 millions de dollars dont 100 millions de dollars ont été déjà donnés en 2020. En dehors de ceci, 80 millions de dollars ont déjà été utilisés par eux pour la lutte contre le terrorisme au nord de leurs frontières et 20 millions de dollars iront à ce fonds. Le Ghana, pour sa part, a mobilisé 50 millions de dollars pour les 5 années à venir, dont 10 millions est destiné à ce fonds et 40 millions pour les activités contre les terrorismes potentiels qui pourra arriver. 5 millions en adressant les défis de sécurité dans le Sahel. Nous devons également accorder une attention, n'est-ce pas, sur la sécurité sur la Golfe de Guinée, parce que l'Afrique centrale et les États du Sahel dépendent largement, n'est-ce pas, des transports maritimes à travers leurs importations et les exportations de marchandises qui contribuent, n'est-ce pas, aux activités économiques et constituent une importante source de revenus. Le développement durable de nos économies exige la sécurité au niveau du Golfe de Guinée. Et dans la perspective de nos plans d'action de 2024, à intégrer, n'est-ce pas, un élément important comme des stratégies de lutte au niveau maritime. Et c'est ma conviction que le succès de la mise en œuvre de ce plan exige un important partenariat entre les parties prenantes. Et je crois fortement qu'une collaboration sincère de succès pour toute initiative qui sera prise pour combattre contre le terrorisme. À cet effet, je voudrais recommander un engagement profond des États de l'Union africaine en supportant le terrorisme dans le Sahel. Nous allons continuer de travailler main en main avec l'Union africaine pour assurer le Sahel, l'Afrique de l'Ouest et le lac Tchad, les États de l'État de lac Tchad. In all our states and region, which has been the catalyst for the perpetration of terrorist activities. Finalement, je voudrais adresser le rôle que les États-Unis jouent dans plusieurs aspects de notre sécurité, dans notre espace, particulièrement en termes de la stabilité au niveau du Mali.
après le vomissement. Des résolutions sur la crise libyenne qui est comme une source, n'est-ce pas, du terrorisme dans le Sahel. Je voudrais réitérer l'appel aux autorités, des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest et des Nations Unies de donner un mandat énorme, n'est-ce pas, au MINUSMA pour combattre efficacement contre le terrorisme. C'est un impératif pour les Nations Unies d'étendre son soutien et également s'étendre au niveau régional. Excellence, au nom de l'UNES, je reconnais que je suis important dans la sécurité, la promotion de la sécurité dans notre région. J'applaudis et l'importance des pays comme la France et l'Allemagne et l'Union européenne continuent à jouer un rôle politique, militaire et financier à travers les objectifs que nous nous sommes fixés. Une fois de plus, Excellence, je vous remercie de cette opportunité de m'adresser à vous pour le succès de vos délibérations. Et féliciter le diplomate tchadien qui est actuellement à la tête de notre organisation continentale. La Commission de l'Union africaine, Son Excellence Moussa Faki Mahamat, pour sa brillante réélection en deuxième mandat comme président de la Commission. C'est un salute la bonne exécution et la bénédiction du Dieu dans l'exécution de ses autres fonctions. To Excellencies, I thank you for your attention. Merci, Excellence. Après ce discours parfaitement bilingue du président en exercice de la CEDEAO, place est laissée à Son Altesse Sanedine El Othmani, à Son Excellence Sanedine El Othmani, Premier ministre du Royaume du Maroc, pour la prise de la parole. فخامة المشير فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية ورأس الدولة فخامة السيد محمد الشيخ ولد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية فخامة الرؤساء رؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء المنظمات الإقليمية السيدات والسادة لقد أبى جلالة الملك محمد السادس إلا أن يستجيب للدعوة الكريمة التي تفضل بها فخامة السيد محمد الشيخ ولد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وفخامة المشير إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد والرئيس الحالي لمجموعة دول الساحل. Merci Excellence. ويتشرف الوفد الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه
بتمثيل جلالته في أشغال هذه القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات مجموعة دول الساحل الخمس. يتشرف بتبليغكم تحيات جلالته الأخوية باسم المملكة المغربية. أحيي الجمهورية الإسلامية الموريتانية على نجاح رئاستها لمجموعة دول الساحل الخمس رغم الصعوبات غير المسبوقة التي اتسمت بها سنة 2020 بفعل جائحة كوفيد-19، كما أتقدم بالتهاني لجمهورية تشاد على توليها رئاسة هذه المجموعة. إذا كانت هذه القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات مجموعة دول الساحل الخمس، إذا كانت تعد أول قمة تفتتح بشكل رسمي أمام الشركاء، غير أنها ليست أول قمة تشارك فيها المملكة المغربية. ففي هذا الوقت أشعر بالفخر وبالمسؤولية، مسؤولية الترابط التاريخي الوثيق بين المملكة المغربية ودول الساحل الشقيقة. وكان جلالة الملك محمد السادس قد أكد على حقيقة مهمة منذ سنة 2014 بقوله: مخطئ من يتوهم أن دولة بمفردها قادرة على حل مشاكل الأمن والاستقرار، فقد أكدت التجارب فشل المقاربات الإقصائية في مواجهة المخاطر الأمنية التي تهدد المنطقة، خاصة في ظل ما يشهده فضاء الساحل والصحراء من تحديات أمنية وتنموية. انتهى كلام جلالة الملك. لذلك فإننا في المملكة المغربية لسنا مجرد مراقبين لما يجري في منطقة الساحل، ولم نكن أبداً كذلك، بل نرفض التهديدات الأمنية مثلكم تماماً، ونتضامن مع أصدقائنا من دول المنطقة لمواجهة المخاطر التي تحدق بها والتي تهددنا جميعاً بشكل مباشر. إن القمة التي تلتئم اليوم تتزامن مع مضي 7 سنوات على إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس، وهي المدة التي أكدت بشكل متواصل من تنظيم الرد على هذه التحديات ومن تنظيم مواجهتها. ثانياً، إحداث وحدة استراتيجية حول أهداف عملية وعملياتية مشتركة، وبالتالي فتح المجال لانتصارات تكتيكية مهمة. ثالثاً، تجاوز الحدود الجغرافية لمنطقة الساحل من خلال تحالف دولي واسع ودينامية تفاعل واسعة وفاعلة. وإذ نجتمع اليوم لإعادة التأكيد على عزمنا التغلب على الإرهاب في الساحل، فإننا نجدد التعبئة للاستمرار في مواجهة هذا العدو المشترك الذي لم يتم بعد القضاء عليه نهائيا، وهو ما يظهر بالخصوص مما يلي. أولا، إذا كانت سنة 2020 قد عرفت تراجعاً في عدد الهجمات الإرهابية مقارنة مع سنة 2019، فإنها سجلت بالمقابل بعضاً من أخطر الهجمات على الإطلاق. ثانياً، كما أنه في بعض الدول تضاعف عدد الضحايا 5 مرات. ثالثاً، ولا يزال إلى اليوم أكثر من 3.5 ملايين شخص في وضعية لاجئ أو نازح داخلي. رابعاً،
كما أن ما يسمى بتنظيم الدولة أو داعش والذي يحتضر في مناطق أخرى من العالم لا يزال ينشط في منطقة الساحل، حيث يتحمل مسؤولية ما يناهز 41% من الهجمات في سنتي 2019 و2020. خامساً، وفي الوقت الذي تمكنت فيه مجموعة دول الساحل الخمس من خنق الامتداد الإرهابي في مجال تدخلها، تحاول مجموعات مسلحة من الاستقرار في مناطق كانت آمنة لحد الآن، وتستمر بالزحف في اتجاه مناطق أخرى مثل خليج غينيا. سادساً، كما تستمر الحدود بين الإرهاب والحركات الانفصالية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود في التلاشي أكثر فأكثر، فالارتباط بينها أو الارتباطات بينها غدت مثمرة لها مادياً بغنائم تعد بمئات الملايين من الدولارات، مما جعلها تتكاثر. حضرات السيدات والسادة، ما فتئ جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية يدعو منذ سنة 2014 إلى ما يلي أمام تزايد التهديدات الأمنية وخاصة بمنطقة الساحل والصحراء، لضرورة التصدي الجماعي للتنظيمات الإرهابية التي تجد في عصابات الانفصال والاتجار في البشر والسلاح والمخدرات حليفاً لها لتداخل مصالحها، والتي تشكل أكبر تهديد للأمن الإقليمي والدولي. إن الرد الأول والفوري على الإرهاب هو ذو طابع أمني، فالمجموعات الإرهابية المسلحة لا تفقه سوى لغة الحزم. لذا فإن التعبئة الأمنية لمجموعة دول الساحل الخمس وشركائها يجب أن يتواصل ويتعزز، وستستمر المملكة المغربية في دعم معهد الدفاع لمجموعة دول الساحل الخمس بالنواكشوط، وبتكوين الضباط المنتمين لدول الساحل الشقيقة بمعاهد التكوين العسكرية المغربية. غير أن النصر المستدام على الإرهاب لا يتحقق سوى على جبهة التنمية البشرية، حيث تتوقف لغة السلاح وستستمر محاربة الإرهاب في الميدان السياسي والميدان الاقتصادي والميدان الاجتماعي والميدان الثقافي والبشري. إن هذه المقاربة التي تعتمدها الرؤية بعيدة المدى لجلالة الملك محمد السادس، حيث يحرص جلالته على أن يتواصل العمل التضامني للمغرب إلى ما بعد هذه الظرفية الطارئة، وتؤكد المملكة المغربية استعدادها لتقاسم خبراتها وتقاسم تجربتها الوطنية مع إخوانها في بلدان الساحل من خلال مبادرات ملموسة. وإن محاربة الإرهاب تتم كذلك على مستوى الأفكار، ويحرص جلالة الملك أمير المؤمنين على أن يواصل المغرب تكوين الأئمة المنحدرين من المنطقة في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات. وتجدر الإشارة إلى أن 937 من المسجلين المنحدرين من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد تابعوا أسلاك التكوين بالمعهد المذكور برسم سنة 2018 و2019، يعني تقريباً 1000 شخص. فاعلة ومتعددة الأبعاد في منطقة الساحل دون التطرق
لمسألة التصحر والتغير المناخي. وبالفعل فإن خطر انعدام الأمن الغذائي فإن خطر انعدام الأمن الغذائي يحدق بأكثر من 12 مليون شخص في المنطقة، بينما تقدر التأثيرات على القطاع الفلاحي بأكثر من ملياري دولار في أفق سنة 2030 من الخسارة. وفي هذا الإطار يؤكد المغرب انخراطه في لجنة المناخ لجهة الساحل التي تم إنشاؤها بمناسبة قمة العمل الإفريقية من أجل المناخ التي التأمت سنة 2016 تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس في مراكش. وأخيراً فإن هذه التحديات متعددة تؤكد أهمية ضمان تمويلات مستدامة لتجمع دول الساحل الخمس، بل والعمل على الرفع من هذه التمويلات. وعليه فإن الوعود التي تم تقديمها خلال مؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين لتمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية في مجموعة دول الساحل الخمس المنعقد في نواكشوط في دجنبر 2018 يتعين الوفاء بها، يجب الوفاء بها، بل إن مجهوداً مالياً إضافياً للمجتمع الدولي يبقى ضرورياً، لا سيما أن جائحة كوفيد-19 كان لها بالغ الأثر على اقتصادات دول المنطقة، وأدت إلى انكماش في ناتجها الداخلي الخام بنسبة 8 إلى 10%. فخامة المشير إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية والسيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، إن المغرب كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس أمام قمة الاتحاد الإفريقي 28 كان دائماً من السباقين للدفاع على استقرار القارة الإفريقية، وستبقى المملكة المغربية كذلك وفية لهذا الهدف. ومن خلال المشاركة اليوم في هذه القمة فإن المملكة المغربية القوية بروابطها التاريخية مع دول الساحل والوفية لرسالتها بوصفها فاعلاً ملتزماً من أجل الأمن والاستقرار بإفريقيا تجدد التأكيد مرة أخرى على انخراطها المتضامن إلى جانب دول الساحل الخمس وباقي دول المنطقة للتصدي سوياً للأخطار التي تتهدد مستقبلها ومستقبل المنطقة برمتها. شكراً جزيلاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Passer la parole au, à l'intervention de son Altesse Cheikh Chabrout bin Nahyan al-Nahyan. J'aimerais demander une fois de plus la permission des chefs d'État pour signaler la présence à cette cérémonie du représentant spécial de l'Organisation pour la coopération islamique. Nous invitons à présent Son Altesse Cheikh Chabrout bin Nahyan al-Nahyan, ministre d'État des Émirats Arabes Unis, à prendre la parole. Heads of State Conference. We are delighted and honored
to be taking part in this meeting in collaboration with you all during this critical stage in our fight against terrorist groups and extremism in the Sahel region, as the world is still facing the COVID-19 pandemic and its repercussions. Addressing the threat of instability in the Sahel region cannot be carried out without security and military measures alone. It also requires the international community to pursue both a sustainable approach and a continued commitment that takes into account the development and socio-economic needs of the region. The UAE strongly believes that only by Nous sommes convaincus que ce n'est qu'en nous mettant ensemble que nous pourrons arriver à bout, n'est-ce pas, de l'extrémisme aussi bien que et en renforcer pour le développement, pour les programmes de développement humanitaire, pour combattre l'extrémisme et pour résoudre le problème de sécurité dans la région. Mesdames et messieurs, les Émirats Arabes Unis vous réitèrent de travailler main à main avec les pays africains tout le long, n'est-ce pas, pour combattre le terrorisme et l'extrémisme, et également pour vous démontrer, n'est-ce pas, la promotion de la paix, de la modération et de la tolérance prônée par les Émirats Arabes Unis. Pour cela, les Émirats ont prévu 63,80 millions de dollars au niveau de la sous-région entre 2010 et 2020 pour renforcer, n'est-ce pas, des secteurs importants de ce pays dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'énergie. Nous avons également apporté notre contribution en apportant des fournitures médicales dans les pays tels que le Mali, le Niger, le Burkina Faso et Mauritanie. En donnant plusieurs tonnes de fournitures militaires et des équipements pour appuyer, n'est-ce pas, les professionnels, les ressources humaines médicales. Les Émirats Unis réaffirment sa disponibilité à apporter son appui à toute organisation allant dans la lutte contre le terrorisme. Plus précisément, dans le Sahel. En conclusion, nous allons travailler ensemble et continuer par supporter. Nous appelons à ce que la communauté internationale puisse apporter son soutien en incluant toutes les contributions qu'on en a besoin pour assurer la stabilité au niveau du Sahara. Merci beaucoup. Nous invitons M. Bangondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, à prendre la parole. Monsieur le maréchal du Tchad. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Son Excellence, Monsieur Mohamed Oul Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Excellence, Monsieur le chef d'État. Distingués participants, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. Permettez-moi, avant tout propos, de transmettre les chaleureuses et fraternelles salutations
du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à tous ses pairs. Le chef de l'État ivoirien tient à vous exprimer ses regrets du fait de ne pas être parmi vous aujourd'hui et adresse ses sincères remerciements à vous-même, maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Ghazouani, président de la République de Mauritanie, président en exercice du G5 Sahel. Monsieur le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, président entrant de la conférence, le président Alassane Ouattara m'a chargé de vous exprimer ses sincères félicitations pour les efforts inlassables que vous déployez dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, dans le but de rétablir définitivement la paix et la sécurité dans la région du Sahel. Il réaffirme l'engagement et le soutien de la Côte d'Ivoire aux initiatives du G5 Sahel et de ses partenaires internationaux. La délégation de la Côte d'Ivoire, par ma voix, voudrait rendre un hommage appuyé aux victimes civiles des exactions commises par les groupes armés terroristes, de même qu'aux soldats tombés au champ d'honneur. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire salue l'approche intégrée adoptée lors du sommet de Pau et se réjouit des résultats obtenus sur le terrain dans la lutte contre les groupes armés terroristes et encourage tous les partenaires à contribuer à la consolidation de cette initiative. La situation sécuritaire dans la région est de plus en plus préoccupante. Comme vous le savez, mon pays a été victime d'une nouvelle attaque terroriste en juin 2020 à Kafolo, dans le nord, qui a fait 12 morts et 8 blessés. Par ailleurs, nous avons perdu 4 de nos casques bleus au sein de la MINUSMA lors d'une embuscade tendue par des groupes armés terroristes le 13 janvier dernier. C'est dire combien chacun de nos pays est soumis à la menace terroriste qui désormais s'étend du Sahel jusqu'au golfe de Guinée. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous devons résolument agir dans le cadre du G5 Sahel et de l'initiative d'Accra. C'est dans cette perspective que l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, que mon pays abrite à Jacqueville, entend répondre aux besoins de nos États dans les domaines cruciaux de la lutte contre le terrorisme. Toutefois, la réponse à l'insécurité qui prévaut au Sahel et dans l'ensemble de notre région dépasse le simple cadre de l'action militaire. Nous devons donc, sans délai, nous attaquer aux causes profondes à l'origine de cette situation en répondant nommément aux défis de financement du développement auxquels nos États sont confrontés. Mon pays se réjouit du dynamisme de l'Alliance pour le Sahel et appelle les partenaires au développement à investir davantage dans la croissance de nos économies. Monsieur le Président en exercice, la situation sécuritaire mondiale et régionale à laquelle s'ajoute aujourd'hui la pandémie à COVID-19 nous appelle tous. Ce sont des défis globaux qui appellent à une nécessaire mutualisation et coordination de nos efforts. Au regard de l'ampleur et des risques d'expansion de la menace au-delà du Sahel, la Côte d'Ivoire réitère son appel à la mise en place d'une coalition internationale contre le terrorisme et à un engagement plus soutenu des grandes puissances dans la région. Je ne saurais terminer mon propos. Président de la République, chef de l'État et au peuple tchadien,
pour l'accueil fraternel et chaleureux qui nous a été réservé à ma délégation et à moi-même. Je voudrais souhaiter plein succès à vos travaux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nous invitons à présent le général du corps d'armée, Ibrahim Kabir, membre du Conseil souverain de transition du Soudan, à prendre la parole. لي أن أخلع الماسك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الفخامة الرئيس إدريس دبي رئيس جمهورية تشاد الشقيقة. والمنظمات ونخص السيد موسى فكي بالتانية في هذه المناسبة أيضا السيدات والسادة اسمحوا لي في البدء أصالة عن نفسي ونيابة عن المجلس وفخامة السيد الرئيس الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني أنا أتقدم بوافر الشكر والتقدير لفخامة السيد محمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس الدوري لمجموعة الساحل ولفخامة السيد الرئيس إدريس دبي رئيس جمهورية تشاد والإخوة الشعب الشقيق في تشاد وكذلك التهنئة للسيد الرئيس القادم لمجموعة الساحل الخمس على الجهود والأعمال التي ظل يقومان بها دعما ومكافحة للإرهاب السوس الذي أصبح يهدد العالم وأصبح بلا وطن ولا جنسية وأصبح خطرا ونحن أكثر من نتعرض له أصحاب الفخامة السادة الرؤساء سيدات والسادة إن اجتماعنا هنا في أنجمينا بمشاركة هذا العدد الكبير من الدول والمنظمات يؤكد على الأهمية التي توليها بلداننا جميعا لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في منطقة الساحل وما جاورها كذلك يعمل وفد بلادي أن تكلل جهودنا جميعا بالنجاح في دفع مسيرة التعاون الإقليمي لمجابهة كل الجرائم العابرة المشتركة حتى تنعم شعوبنا الصديقة بثمرات هذا التعاون سلاما واستقرارا وتنمية وازدهارا السادة أصحاب الفخامة السادة الرؤساء السيدات والسادة
يولي السودان اهتماما خاصا بتعزيز التعاون بين دول الإقليم لمجابهة التحديات المشتركة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والفقر. لذلك عبرت بلادنا في السابق عن رغبتها في الانضمام للمجموعة كمراقب. من واقع تشابه التحديات وتشابكها بين السودان ودول الساحل وارتباط الأمن في بلادي بأمن الساحل بأمن دول أو إقليم الساحل، وتطلع بلادنا في عهدها الجديد بعد ثورة ديسمبر المجيدة لتوثيق عرى التعاون مع المجموعة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في كافة المجالات. أصحاب الفخامة، السادة الرؤساء، السيدات والسادة، إن ضخامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية التي تواجه دولنا تتطلب مزيد من التعاون والتنسيق بين بلداننا من ناحية والتصدي لهذه التحديات بمنهج شامل متعدد الأبعاد والمزيد من الجهد المتسق مع شركاؤنا حتى نحقق النتائج المبتغاة من هذا الأمر. ختاما، فخامة السادة الرؤساء، السيدات والسادة، يجدد وفدنا استعداده التام الدول والمنظمات المشاركة من أجل إنجاح هذا الاجتماع ودعم مسيرة السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل وما جاورها كخطوة أساسية في تحقيق الاستقرار والتنمية ورؤية الاتحاد الأفريقي 2063. وشكرا السيد الرئيس. Nous avons le plaisir d'inviter l'ambassadeur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président, en exercice du G5 Sahel, Excellences, Monsieur les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le secrétaire exécutif du G5 Sahel, distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'Union africaine, par ma voix, se réjouit d'être associée à tous les sommets et autres activités du G5 Sahel, à l'instar de cette 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Depuis bientôt 10 ans, les pays du Sahel, soutenus par les partenaires internationaux, ont engagé le combat contre le terrorisme dans la bande sahélienne. Même si à ce jour, la victoire contre le terrorisme n'est pas encore totale, comme nous l'aurions souhaité, les groupes armés ont été empêchés
d'atteindre leur objectif de déstabilisation des États de la région et de dislocation de leur système de défense et de sécurité. Nous avons certes dû modifier la hiérarchie de nos priorités, ce qui nous a conduit à affecter une grande part de nos ressources aux urgences sécuritaires, alors qu'elles auraient pu contribuer au combat contre la COVID-19 et à la réalisation des autres chantiers du développement. Aussi voudrais-je rendre un hommage appuyé aux dirigeants du G5 Sahel aujourd'hui ici réunis et aux peuples de cette région affectés par le fléau du terrorisme. Mes hommages vont aussi à nos partenaires dans ce combat multiforme. Ils nous aident à apporter ensemble les réponses politiques, diplomatiques, militaires et économiques appropriées. L'intensification et l'amplification de cet appui sont plus que jamais nécessaires en ces temps de regain de la COVID-19 où les pays africains, ceux du Sahel en particulier, éprouvent les plus grands et sensibles besoins d'une active solidarité internationale. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'Union africaine s'est constamment tenue aux côtés des États du G5 Sahel, car les défis qu'ils affrontent sont au cœur de nos préoccupations majeures de paix, de sécurité, de gouvernance et de développement. Dans cette perspective, notre constant plaidoyer se poursuivra pour la mobilisation des ressources et pour la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel en coordination avec le secrétariat exécutif. Au plan de l'équipement des forces de défense et de sécurité, en plus de l'appui de nos partenaires de l'Union européenne dans le cadre de la facilité de paix, l'Union africaine a conclu avec la République populaire de Chine le 8 mai 2020 un accord pour un soutien logistique d'environ 9 millions de dollars pour chacun des pays du G5. Les matériels et équipements ainsi acquis sont en processus de livraison aux différents États. Je parle ici des financements et des appuis qui passent par le canal de l'Union africaine. De même, conformément à la décision de la conférence des chefs d'État de février 2020, les concertations sont en cours pour la mobilisation et le déploiement d'une force africaine de soutien aux efforts propres des pays du G5 Sahel. La nouvelle commission de l'Union africaine en fera un impératif et urgent devoir. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a presque un an jour pour jour, s'est tenu le sommet de Pau en France, au cours duquel d'importantes décisions ont été prises pour répondre aux urgences de la situation dans le Sahel. Il s'agit entre autres de la coordination des actions sur le terrain, de l'implication active de la communauté internationale aux côtés des pays du G5 Sahel, du renforcement des capacités des troupes locales, de l'appui au retour de l'État et des administrations sur l'ensemble des territoires des pays en souffrance, de l'aide au développement. Il est légitime à l'heure du bilan de se poser la question sur ce qui a été réalisé de tout cet arsenal de mesures. Sans dénier l'impact positif de certaines initiatives encourageantes prises dans le cadre de l'Alliance pour le Sahel, la situation n'a pas fondamentalement évolué, tant sur le terrain militaire que sur le front du développement des zones infestées par le terrorisme. La COVID-19 a certes focalisé l'attention de tous les États sur les urgences sanitaires, mais il y a aussi nos propres pesanteurs qui retardent toute action d'envergure, laissant la latitude aux terroristes de se réorganiser, de se renforcer et même de prendre parfois l'initiative. Une évaluation exhaustive des actions menées depuis le sommet de Pau, comme cela a été décidé, permettrait d'identifier les lacunes et d'agir en conséquence de manière idoine. Permettez-moi de réitérer notre préoccupation de toujours. Plus le temps passe et plus le phénomène terroriste s'installera, s'incrustera et se répandra dans l'espace sahélien
et même au-delà, et c'est le cas malheureusement. Aussi avions-nous besoin d'autre chose que les seules paroles incantatoires et généreuses. Nous avons besoin d'action, d'une action d'envergure où chacun de nous tous se voit définir sa propre partition dans la symphonie générale. Nous avons ici besoin d'un vrai supplément de méthode et de rigueur dans l'application de nos décisions et engagements à la fois nationaux et internationaux. Les déboires du multilatéralisme ces dernières années ont élevé des obstacles de taille quant au financement sur les ressources onusiennes éligibles de la force de défense montée par les États du Sahel. Je m'engage à reposer sur la table de la négociation internationale cette question et au-delà celle du financement des missions africaines de maintien de la paix. Avant de terminer, je voudrais féliciter le président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour la mobilisation qu'il a suscitée autour du G5 Sahel tout au long de sa présidence en exercice. Au président de la République du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno, qui prendra les rênes de la présidence et dont je sais l'attachement aux actions concrètes. Je souhaite tous les succès et lui réitère la disponibilité permanente de l'Union africaine à soutenir ces initiatives. Soyez assurés, Excellence, Monsieur le Président, que nous sommes avec vous dans cet exaltant combat contre le terrorisme et pour la prospérité du Sahel, cette belle ceinture protectrice de l'Afrique. Permettez-moi, Maréchal, puisque je suis dans ma terre natale, de vous réitérer à vos collègues mes remerciements et toute ma reconnaissance pour m'avoir renouvelé votre confiance en me réélisant à la tête de la Commission de l'Union africaine. Puisse Allah le Tout-Puissant m'aider à être à la hauteur de cette confiance. Je vous remercie. Appeler l'attention des prochains intervenants, de résumer les interventions, parce qu'il en reste encore. Excellences, Monsieur le Président en exercice du G5 Sahel, Excellences, Monsieur le Président entrant du G5 Sahel, Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs représentant vos États et vos institutions respectives en vos fonctions respectives, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de tout d'abord remercier les autorités mauritaniennes et tchadiennes pour leur invitation à ce sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Vos cinq États et le Sahel sont une composante essentielle de la francophonie qui a vu le jour au cœur de cette région, à Niamey, il y a un peu plus de 50 ans. Notre acte de naissance nous vient donc de cette région. Vous êtes notre famille biologique. La francophonie, messieurs les chefs d'État, n'est certes pas engagée directement sur le terrain militaire, mais nous sommes pleinement solidaires de la force conjointe du G5 Sahel dans sa mission de restauration de la sécurité et de la paix à travers des actions qui s'inscrivent dans les domaines d'intervention de notre organisation. Je veux saluer les progrès observés depuis un an quand on était réunis à Pau, qui ont permis de stopper les avancées des groupes terroristes et d'engager la reconquête de nombreux espaces. Ces réussites n'effacent pas pour autant le sang versé
de nos frères. Je salue ici la mémoire des soldats et victimes morts pour la paix dans cette région. La francophonie poursuivra son plaidoyer en faveur du Sahel et elle continuera de déployer son appui à vos efforts, messieurs les chefs d'État, dans les processus électoraux et la gouvernance, l'éducation notamment de plus en plus associée au numérique, avec une priorité accordée aux jeunes et aux femmes. Au Mali, notre organisation s'est engagée à accompagner la mise en œuvre du processus électoral ainsi que certains chantiers prioritaires de la transition. Depuis ma visite au Mali en novembre dernier, qui m'a permis de prendre attache avec les nouvelles autorités de transition, j'enverrai une mission la semaine prochaine à Bamako pour discuter et convenir avec les autorités maliennes des contours de l'implication de l'OIF dans la réussite de la transition. Au Niger et au Burkina Faso, nous avons accompagné les derniers processus électoraux dont il faut saluer le caractère apaisé et inclusif. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre organisation, déjà engagée dans les pays du G5 sur le chantier de l'état civil, va redoubler d'efforts. Au Niger, nous avons déjà obtenu des résultats où nous avons produit 7300 jugements déclaratifs dans une étape pilote qui correspondent aux actes d'état civil dans 40 villages de la province de Zinder et ce n'est qu'une première étape. Pour le Tchad, Monsieur le Président de la République, nous avons un projet similaire à celui du Niger dont on veut discuter avec les autorités tchadiennes pour aval et collaboration. Mesdames et Messieurs, une mise à jour rapide sur l'initiative Radio Sahel. J'en avais parlé au chef d'État à Pau, ensuite à Nouakchott. Cette radio transnationale avec une ligne éditoriale indépendante, une radio avec, par et pour les jeunes, initiée par l'OIF en partenariat avec le G5 Sahel, se met progressivement en place, malgré les difficultés de déplacement des équipes techniques sur le terrain depuis l'année dernière. Les programmes sont déjà conçus de cette radio en français et en 5 langues régionales, l'arabe, le bambara, le moré, le haoussa et le peul. Nous nous apprêtons à mettre en place la direction de la radio d'ici quelques semaines et former les jeunes professionnels qui la mettront en onde d'ici quelques mois. La radio Jeunesse Sahel dispose d'un site internet radiosahel.com. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer en évoquant partout dans le monde, mais sans doute singulièrement au Sahel, à travers des actions permettant aux filles d'accéder à l'éducation, comme nous en avions pris l'engagement lors de la conférence internationale que nous avions organisée en juin 2019, ici même en N'Djamena, sous le très haut patronage du maréchal du Tchad, Son Excellence le Président Idriss Déby, que je remercie particulièrement. Mais aussi via des programmes dédiés à l'autonomisation économique des femmes, un aspect très important, comme le Fonds de solidarité, la francophonie avec elle, qui accompagne les femmes particulièrement affectées par les conséquences de la crise sanitaire. Dans le cadre de la première édition de l'appel à projets du Fonds, la francophonie avec elle, sur les 59 projets sélectionnés, 8 initiatives de la région Sahel ont été déclarées éligibles, 2 au Tchad, 2 au Mali, 2 en Mauritanie et 2 au Burkina Faso et tous les bénéficiaires ont reçu le financement accordé au 31 décembre 2020. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour terminer, la francophonie, votre organisation est à votre disposition et à votre écoute, nous sommes vos accompagnateurs pour nous assurer que notre appui aux côtés du G5 Sahel répond au mieux et au plus près des besoins de vos pays. Je vous remercie pour votre attention. Nous invitons à présent Madame González Laya María Aranzazu, ministre espagnole des Affaires étrangères, Union européenne et de la coopération,
présidente de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel, à prendre la parole. Monsieur le président du Tchad, maréchal Idriss Déby, monsieur le président de la Mauritanie, Oul Ghazouani, monsieur le président du Niger, Mamadou Issoufou, monsieur le président du Mali, Bahendo, monsieur le président du Burkina Faso, Roch Marc-Christian Caboret, monsieur le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, monsieur le président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'Économie, tout protocole observé. Je tiens à remercier le président Ghazouani et le président maréchal Idriss Déby pour leur chaleureuse invitation au sommet du G5 Sahel qui se tient ici à N'Djamena. Et je profite de cette occasion pour applaudir les succès de la présidence mauritanienne et souhaiter tout le meilleur à la nouvelle présidence tchadienne. Au cours de mon mandat en qualité de présidente de l'Alliance Sahel, j'ai eu l'honneur de visiter tous les pays du G5 dans un souci non seulement de promouvoir les relations avec l'Alliance Sahel, mais aussi d'exprimer le ferme engagement de l'Espagne vis-à-vis cette région. Je souhaite réitérer cet engagement ce jour devant ces forums, un engagement qui est à la fois dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, l'Espagne en sait quelque chose, de la formation de forces de l'ordre et de la gendarmerie, mais aussi en matière de développement et enfin en matière de lutte contre le Covid, qui est aussi notre objectif prioritaire. Je me félicite de la tenue de la 2e Assemblée générale de l'Alliance qui a permis de rendre compte des réalisations enregistrées par l'Alliance Sahel en 2020, approfondir les dialogues avec nos partenaires du G5 Sahel et tracer la route pour l'année 2021. L'année passée, nous nous étions engagés et je crois que le pari de Nouakchott a été réussi. Nous avons 3 nouveaux membres de l'Alliance, Norvège, Organisation internationale de la francophonie et Irlande. Nous avons concentré nos efforts sur les zones les plus fragiles, comme on avait convenu à Nouakchott. Nous avons travaillé pour le retour de l'État dans les zones les plus fragiles. Nous avons amélioré les financements avec 3 milliards d'euros supplémentaires en financement pour des projets de développement. Nous avons amélioré la redevabilité avec un engagement à tenir un premier forum de redevabilité dont on parlera des progrès dans les réformes politiques et économiques ensemble ici au Tchad au cours de l'année 2021. Et enfin, nous nous étions engagés, et nous l'avons fait, de répondre aux besoins des femmes, des jeunes, aux besoins de la sécurité alimentaire et du climat. Tout ceci, c'est les paris de Nouakchott, réussis. Maintenant, nous avons devant nous l'année 2021 où nous devons faire un sursaut du développement et de la coopération. Nous devons avancer sur la route qu'on a tracée pour améliorer la situation des zones fragiles. Nous savons que nous devons mieux articuler la sécurité, l'humanitaire et le développement. Nous voulons mettre un coup d'accélérateur sur l'éducation, l'emploi des jeunes et les secteurs privés. Les 3 sont bien liés. Et enfin, nous voulons faire de progrès en matière de gouvernance et de réformes. Pendant ma présidence, j'ai tenu à donner une impulsion à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, et c'est ainsi que l'Alliance a renouvelé son engagement en faveur de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Nous savons que les femmes et les filles ont plus souffert dans cette crise du Covid. Nous avons comme responsabilité aussi mieux les intégrer dans notre réponse Covid. Donc, merci à tous les partenaires de l'Alliance pour le soutien que vous continuez à apporter au pays du G5 Sahel. Merci aux membres du G5 Sahel pour la confiance
Et merci aussi au Tchad pour l'hospitalité, au plaisir de contribuer à travailler pour le développement du Sahel. Merci beaucoup. Avant d'arriver au discours solennel d'ouverture, nous donnons la parole à Dr Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, président de l'Institut panafricain des stratégies, qui est présent avec nous. Excellences, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, maréchal du Tchad, président de la République. Excellences, Monsieur les chefs d'État. Je vais écourter parce que si je pour gagner du temps. Donc, je salue tout le monde et salue particulièrement les honorables invités participants et les représentants d'organisations internationales et le corps diplomatique. C'est au nom de tous mes collègues de l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance et des think tanks du continent qui ont dédié leur réflexion et leur énergie à la paix, à la sécurité, au développement et à la prospérité du continent africain dans une perspective panafricaniste assumée que j'ai l'honneur de m'adresser aux éminentes personnalités rassemblées dans cette grande cérémonie d'ouverture. Notre think tank, l'Institut panafricain de stratégie, à une dette de gratitude à l'endroit de plusieurs chefs d'État du Sahel et du continent en général, mais particulièrement à l'endroit du président Idriss Déby Itno et de son frère, son Excellence le président Macky Sall. Votre sommet en terre africaine et panafricaine du Tchad est scruté, attendu et écouté à travers le monde. De là l'importance des décisions attendues à l'issue de vos délibérations, surtout qu'en plus de la grave menace terroriste qui s'est métastasée dans le continent africain, le Covid-19 étant ses méfaits partout dans le continent, il le fait d'ailleurs dans le reste du monde. L'Afrique, notre continent, qui a souffert depuis près de 5 siècles d'agressions multiples, est aujourd'hui interpellée peut-être comme jamais avant par la crise du terrorisme international et de ses alliés domestiques. Terrorisme d'inspiration prétendument religieuse, couplé avec le développement d'une économie criminelle dévastatrice pour nos États et notre futur. Comme nous le disons souvent à l'Institut panafricain de stratégie, les terroristes du monde entier sont en train de converger vers l'Afrique, puisque eux aussi viennent prendre, entre guillemets, leur part d'Afrique. Pour eux, l'Afrique, bénite et dotée d'immenses ressources naturelles, est un continent, entre guillemets, à prendre. Forêts, eau, terres arables, vaste étendue, vaste espace, vaste territoire, or, diamant, cobalt, pétrole, gaz. Les terroristes ont l'impression que l'Afrique est vulnérable, affaiblie, désunis, prenables. Comme on dit, ils sont en train de déménager leurs opérations chez nous, de la Libye au Sahel, au nord Nigeria, au Golfe de Guinée, à l'Afrique de l'Est, Somalie, Kenya, presque jusqu'en Afrique centrale, en RDC, avec les ADF, et aujourd'hui jusqu'au Mozambique, où ils occupent une province entière à côté des puits du pétrole et du gaz, la province de Cabo Delgado. Nous, Africains, allons-nous accepter d'être le nouvel épicentre du terrorisme mondial? Allons-nous jouer la carte de l'impuissance et de l'indifférence? Comment faire pour reprendre l'initiative historique? Mutualiser nos forces armées, nos souverainetés et libérer, le mot n'est pas fort, libérer notre Afrique. Telle est la lourde tâche qui attend nos leaders, nos sociétés civiles, nos think tanks et toutes les forces vives du continent. Récemment, vous avez entendu dans la presse un grand pays d'Afrique appelé à l'union sacrée de tous les Africains. Et c'est l'heure de l'union sacrée de tous les Africains pour faire face au terrorisme. L'Afrique d'abord, ensuite l'Afrique
avec ses amis, ses partenaires, devra remonter la pente et répondre à l'appel de l'inoubliable professeur Cheikh Anta Diop, appel de 1973, je cite, « La sécurité précède le développement ». Et je me suis permis d'ajouter « Et à son tour, sert le développement ». Donc la sécurité est une condition du développement. Des pays africains l'ont compris. Un pays comme le Tchad l'a bien compris et a versé le sang de ses enfants au Mali, au Nigeria, au Niger, au Cameroun, dans un élan panafricaniste sans précédent dans le continent. Honneur donc au peuple tchadien. Honneur à ses soldats. Honneur à son leader. Honneur à tous les soldats tombés pour la cause de la libération de l'Afrique au Mali, dans le Sahel et partout. Un pays non africain, la France, s'est distingué parmi d'autres auprès de ses amis africains dans les sacrifices de ses enfants et de ses moyens pour nous manifester aussi sa solidarité agissante. L'illustre fils de l'Afrique, Kwame Nkrumah, chantre des États-Unis d'Afrique, voulait dès 1963 une armée africaine. Nous avons attendu 58 ans sans mettre en œuvre sa directive. Répondons enfin à son appel, à son interpellation. Une armée africaine avec des troupes d'élite et des forces spéciales bien équipées, bien entraînées. Cette armée africaine doit entrer en urgence au Mali, appuyer les forces maliennes et ratisser tout le Sahel pour nous rendre enfin notre souveraineté et notre dignité. Que l'Afrique protège l'Afrique, que l'Afrique sauve l'Afrique, que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Après ce discours, nous avons l'honneur d'inviter Son Excellence M. Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de G5 Sahel. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Monsieur le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Excellences, messieurs les chefs d'État du G5 Sahel. Honorables partenaires et amis du G5. Distingués invités. Mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vifs remerciements à mon frère et ami, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, pour la parfaite organisation du présent sommet, la chaleur de l'accueil et l'hospitalité dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée en N'Djamena. Je voudrais en même temps lui exprimer toute notre reconnaissance pour les efforts et sacrifices que le Tchad ne cesse de consentir en faveur de la paix et de la sécurité dans la région. Je citerai en particulier l'intervention de ses troupes au Mali, l'opération Colère Bahoma et sa décision de déployer un deuxième bataillon au profit de la force conjointe du G5 Sahel. Je renouvelle également nos remerciements et notre profonde gratitude aux pays, aux organisations et aux institutions partenaires et à tous les amis du Sahel pour l'intérêt et le soutien constant qu'ils accordent à la paix
et au développement économique et social dans notre région. Excellences, Mesdames et Messieurs, au cours du mandat qui s'achève, la présidence en exercice du G5 Sahel s'est attelée à consolider les acquis et à impulser une dynamique nouvelle à l'action collective, en vue de traduire la vision stratégique de notre organisation par des réalisations concrètes dans les domaines de la sécurité et du développement. À cet effet, une feuille de route qui se veut à la fois réaliste et ambitieuse a été adoptée et a permis dans une large mesure d'atteindre les objectifs d'étape escomptés. Cette feuille de route est déclinée en 5 axes majeurs, notamment ceux de la sécurité-défense, de la résilience, du développement humain et des infrastructures, du renforcement du dialogue intra- et intercommunautaire, du renforcement de la dynamique diplomatique d'accompagnement et enfin le dispositif institutionnel de suivi. Au niveau de l'axe sécurité et défense, l'accélération de la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel, le renforcement des forces de défense et de sécurité nationale et la coordination renforcée avec la force Barkhane ont permis d'enregistrer d'importants résultats. Dans ce cadre, on peut citer la densification des opérations dans la zone des trois frontières, le déploiement des premiers contingents de la Task Force Takuba, le lancement des travaux de planification de l'engagement d'une force africaine au Sahel de 3000 hommes et récemment la planification à Nouakchott d'une opération conjointe d'envergure au fuseau ouest. Ainsi, les forces de défense, de sécurité et de sécurité nationale et la force conjointe reprennent progressivement l'initiative dans les différents théâtres d'opération et les groupes armés terroristes enregistrent de plus en plus de pertes, tant en matériel qu'en personnel, avec la neutralisation de plusieurs de leurs principaux leaders. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le domaine de la résilience, du développement humain et des infrastructures, plusieurs projets visant la lutte contre la COVID-19, les changements climatiques, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la résilience des entreprises, des jeunes, l'eau et la cohésion sociale ont été conclus ou finalisés. À cet égard, nous nous réjouissons du démarrage de 18 sur les 21 projets du programme de développement d'urgence PDU avec les partenaires membres de l'Alliance Sahel. De plus, des projets importants dans le domaine de l'urgence en lien avec le développement rural et la résilience face à la COVID-19 sont en cours avec respectivement l'appui du Fonds international pour le développement agricole et la Banque africaine de développement. L'intégration régionale se renforce avec le processus de suppression des frais d'itinérance, le financement par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le Fonds arabe pour le développement économique et social en Afrique de projets de tronçons routiers reliant les pays, ainsi que la finalisation de l'étude de faisabilité du projet du chemin de fer transsahélien. Le G5 Sahel capitalise sur un cadre d'engagement politique désormais établi et consensuel et sur la mise en œuvre de ses plans programmatiques en matière de gouvernance et de développement. En outre, en dépit d'un contexte international et régional difficile, le G5 Sahel a pu, en 2020, mobiliser et engager les partenaires techniques et financiers internationaux en faveur de la mise en œuvre de sa stratégie de développement et de sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, au plan du renforcement du dialogue intra- et intercommunautaire, des actions concrètes permettant d'assurer aux communautés locales un service de proximité et de créer un climat de confiance favorable au dialogue
ont été entreprises. L'appropriation des cadres de conformité en matière de droits de l'homme à travers la judiciarisation des opérations de sécurité et le retour progressif de l'État se poursuit et se renforce. Nous saluons à ce titre l'appui en équipement et en formation de l'Union européenne, de l'Office des Nations Unies contre les drogues et les crimes et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour l'opérationnalisation de la composante police de la force conjointe et pour la génération d'unités d'action rapide de surveillance et d'intervention des GARCI au niveau national dans les différents pays du G5 Sahel. Aussi, il importe de souligner l'organisation en 2020 de conférences régionales sur la lutte contre l'extrémisme violent où des oulémas et des érudits, des preneurs, des penseurs, mais aussi des acteurs de la société civile ont exprimé leur opinion, échangé et débattu en vue d'identifier les meilleures et plus efficientes voies pour combattre la radicalisation sous toutes ses formes, en particulier chez les jeunes. La quatrième conférence sur le renforcement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations dans l'espace du Sahel, organisée le 26 janvier dernier, est venu corroborer cette dynamique de dialogue intra- et intercommunautaire. Les pays du G5 Sahel sont résolument engagés sur la voie du renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Dans ce cadre, on peut noter avec satisfaction la relance au Mali du processus des accords d'Alger et le bon déroulement des élections présidentielles au Burkina Faso. C'est ici le lieu pour moi de présenter mes vives félicitations à mon frère et ami, le président Roch Marc-Christian Kabore, pour sa réélection, de souhaiter que le second tour de la présidentielle nigérienne se déroule aussi dans de bonnes conditions et de réaffirmer notre plein soutien au processus de transition au Mali. Excellences, mesdames et messieurs, au plan du renforcement de la dynamique diplomatique d'accompagnement et en dépit du contexte sécuritaire difficile et de la survenue de la crise sanitaire de la COVID-19, la présidence en exercice a soutenu activement le lancement de la coalition pour le Sahel, la mise en œuvre des engagements du sommet de Pau et la formalisation du dialogue politique avec l'Alliance Sahel. Cette dynamique diplomatique d'accompagnement a donné une réelle impulsion à la coopération et permis de renforcer la lutte contre le terrorisme, d'améliorer les capacités militaires des États du G5 Sahel, d'appuyer le retour de l'État et des administrations dans les zones sensibles et de faciliter la mise en œuvre d'activités de développement. Une intense activité de plaidoyer continue par ailleurs à être menée pour obtenir un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et un financement pérenne de la force conjointe, une assistance internationale pour lutter contre la crise de la COVID-19 et pour un soutien continu en matière de développement, eu égard à l'éviction des dépenses en matière de sécurité sur les budgets de nos États. Aussi, grâce aux efforts consentis par les pays membres et au soutien agissant de nos amis et partenaires, notre organisation a pu occuper une place importante dans l'agenda international à travers une dynamique politico-diplomatique marquée par des multiples rencontres au niveau des chefs d'État et des ministres. À la faveur de ces rencontres, nous avons adopté le nouveau cadre d'action prioritaire intégré qui vise la réalisation de projets à impact rapide dans les zones sensibles. Le G5 Sahel dispose aujourd'hui d'un cadre d'engagement politique et programmatique rénové pour concrétiser davantage son action en faveur des conditions de vie et du bien-être de ses populations. Excellences, mesdames et messieurs, quant au dispositif institutionnel de suivi,
La réforme organisationnelle du secrétariat exécutif du G5 Sahel a été menée et la montée en puissance du secrétariat de la coalition pour le Sahel se poursuit. À cet égard, nous saluons la désignation d'un haut représentant du Sahel pour la coalition. En 2020, le G5 Sahel a fortement consolidé son partenariat avec l'Union européenne. Cela s'est traduit par la perspective de révision concertée de la stratégie de l'Union européenne pour le Sahel. Le G5 Sahel approuve la pertinence de ces lignes stratégiques pour une meilleure gouvernance, plus d'actions de développement et une approche de gestion axée sur les résultats avec un système de redevabilité plus effectif. Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré les défis marqués, notamment par la persistance des activités des groupes terroristes et une situation complexe sur le terrain, le bilan sécuritaire du G5 Sahel en 2020 se révèle positif, avec un rapport de force favorable qui s'est nettement imposé aux groupes terroristes. La force conjointe du G5 Sahel s'est renforcée en capacité de commandement et de planification et mène en coordination avec les forces partenaires des opérations conjointes qui contribuent significativement à l'attrition des groupes terroristes, à la reconquête du territoire et au rétablissement de l'autorité de l'État. Pour consolider ces acquis, le G5 Sahel continuera à œuvrer pour que ses forces de défense et de sécurité nationale puissent assurer pleinement leur mission régalienne et pour que la force conjointe continue sa montée en puissance dans les différents domaines capacitaires. En même temps, malgré la complexité des conflits asymétriques et les tensions communautaires qui sévissent localement dans ces endroits de l'espace sahélien, nous avons la ferme volonté de continuer de lutter contre toute forme d'impunité et de mener les enquêtes nécessaires pour dénoncer les exactions et traduire leurs auteurs devant les juridictions compétentes. À cet égard, le G5 Sahel salue la pertinence du partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel, P3S, soutenu par l'Union européenne et visant le retour de la sécurité et de la justice pour le soutien de l'action des forces de sécurité intérieure. Pardon. De même, nous saluons la résolution du Parlement européen, adoptée en septembre 2020, relative à la coopération en matière de sécurité dans la région du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest et de la Corne de l'Afrique, qui ouvre dorénavant la possibilité de financement au profit des forces armées des pays et à leurs forces conjointes à travers la Facilité européenne pour la paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis le sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel du 27 avril 2020, où une déclaration sur la pandémie de la COVID-19 a été adoptée, un intense plaidoyer continue à être mené au plus haut niveau pour le soutien aux plans de riposte nationaux et pour l'annulation de la dette extérieure de notre pays. C'est le lieu pour moi de réitérer notre appel de rendre effective cette annulation de la dette, qui constitue sans nul doute la réponse la plus appropriée aux conséquences particulièrement néfastes de la double crise sanitaire et sécuritaire. La crise libyenne est une source d'inquiétude et un facteur d'instabilité qui alimente l'insécurité et le terrorisme au Sahel. À cet égard, nous notons avec satisfaction le dernier accord signé à Genève sous les auspices des Nations Unies, qui constitue un motif d'optimisme pour une résolution durable de cette crise. Il conviendrait également qu'un intérêt soit désormais porté à la surveillance
et à la protection de la façade maritime du G5 Sahel qui, comme je l'ai indiqué au siège de l'OTAN le 14 janvier dernier, devrait se prémunir des multiples défis sécuritaires en milieu maritime tels que la piraterie maritime, l'immigration clandestine, les trafics illicites et la pollution maritime et la pollution marine. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'accumulation des défis dans la sous-région n'est pas une fatalité car le Sahel dispose d'atouts majeurs pour y faire face, notamment la profonde aspiration de nos populations à vivre en paix et dans la dignité. Ensemble, avec détermination et en soutien de la communauté internationale à la hauteur des enjeux, nous pourrons relever les défis du terrorisme, de la gouvernance et du développement. Au terme de mon mandat de président en exercice du G5 Sahel, j'aurai le plaisir et l'honneur de passer aujourd'hui, certainement après quelques instants, le témoin à mon frère et ami, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Qui, j'en suis persuadé, saura, avec sa sagesse et son leadership, consolider et promouvoir les acquis de notre jeune organisation. Je souhaite plein succès aux travaux de notre présent sommet. Vive le G5! Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, distingués invités, avec ce discours dense de sens prononcé par le président de la République islamique de Mauritanie, les travaux du 7e sommet du G5 Sahel sont ouverts. Les chefs d'État vont se retirer pour continuer les travaux en huis clos, mais avant, sur les orientations du protocole, ils auront la photo de famille. Je vous remercie. Nous vous prions de rester sur place et de laisser la chance aux chefs d'État et de gouvernement de se retirer. Et en plus, nos hôtes de marque, et enfin, on pourra sortir tranquillement. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous venez de suivre en direct de Radisson Blu, un des grands hôtels et puis de la capitale N'Djamena, la cérémonie officielle des travaux de la 7e conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Le président Mohamed Ould Ghazaoui, président de la République islamique de la Mauritanie, président aussi en exercice du G5 Sahel, qui vient de donner le coup d'envoi des travaux officiels du sommet extraordinaire des chefs d'État. Il a salué les efforts du Tchad pour son engagement dans la lutte pour la stabilité, pour la sécurité dans la bande sahélienne. Il faut dire que lors de son intervention, Mohamed Ould Ghazaoui, président en exercice du G5 Sahel, a axé son intervention sur 4 axes stratégiques. Autant pour moi, qui sont les axes piliers qui constituent les axes du G5 Sahel, à savoir la sécurité, les infrastructures, le développement, ainsi que le dialogue intercommunautaire. Mohamed Ould Ghazaoui a aussi axé son intervention sur la bonne gouvernance, la transparence dans les élections, le renforcement de la dynamique diplomatique qui vise à améliorer la coopération entre les États et restaure aussi le climat de confiance. Il faut dire que l'état de droit, les dépenses, certes, sont énormes dans la bande sahélienne. Cependant, les pays membres du G5 Sahel disposent de ressources d'abord humains, militaires et logistiques pour pouvoir contrer toute avancée des djihadistes, quelle que soit leur provenance. Il faut dire que le nouveau cadre d'action intégré qui a été mis en place
par le G5 Sahel vise à exécuter de manière plus rapide que possible différents projets qui ont été identifiés, notamment des projets dans le cadre de l'éducation, des projets genre pour la promotion de la droit de la femme dans la bande sahélienne, et aussi des multiples projets qui visent dans la globalité le bien-être social de la population du G5 Sahel. Il faut faire un repli tactique en 2020. Il faut noter que le G5 Sahel a été confronté à différentes difficultés liées par le fait que la bande sahélienne, notamment le Mali, le Burkina, le Niger, il y a eu beaucoup d'actions très très néfastes sur l'économie et la stabilité dans ces parties de ce pays-là. Aujourd'hui, le G5 Sahel est plus que jamais déterminé à pouvoir faire face à l'avancée des terroristes, faire face aux djihadistes qui sont sans pitié, qui impactent négativement sur l'économie des pays du G5 Sahel. Le sommet de N'Djamena, il faut dire que c'est un succès diplomatique inscrit à l'ordre du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Jamais dans l'histoire de notre nation, en début d'année, la République du Tchad a reçu autant de présidents. Il faut noter que les présidents de l'Afrique de l'Ouest, en exemple du président de la République du Ghana, Nana Akufo, le président de la République de la Côte d'Ivoire qui s'est fait représenter. Il faut aussi noter la présence du Maroc, aussi du Sénégal et bien d'autres organisations qui ne sont pas membres, n'est-ce pas, du G5 Sahel. Le G5 Sahel est composé essentiellement des pays du Sahel que nous connaissons très bien, à savoir le Tchad, le Niger, aussi le Mali, le Burkina Faso, mais bien d'autres pays se sont ajoutés à cette grand sommet-là. Cela témoigne de l'importance de la sécurité pour le développement de notre continent. Il faut noter que le président de la République du Ghana, Nana Akufo, a salué le leadership du président de la République pour son intervention lors de l'invasion du Nord Mali et aussi au Burkina et aussi en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le leadership du président de la République, maréchal Idriss Déby Itno, est reconnu sur le plan africain, sur le plan international, parce que lors de cette 7e conférence des chefs d'État du G5 Sahel, il faut noter la présence aussi de la secrétaire de la francophonie, Louise Moshikwao, qui a reconnu aussi les efforts consentis par les pays membres du G5 Sahel, en particulier aussi le leadership du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Louise Moshikwao, présidente de la francophonie, la secrétaire de la francophonie, autant pour moi, a fait savoir que son organisation reste disponible pour soutenir l'initiative du G5 Sahel à participer à l'équilibre de la paix, n'est-ce pas, pour le bien-être et le développement de l'Afrique. Il faut dire que la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État aujourd'hui s'ouvre dans un climat de paix, dans un climat de stabilité, et vise à trouver les mécanismes et voies et moyens pour pouvoir lutter et œuvrer pour le bien-être de la population de la bande sahélienne. Cela va au-delà, n'est-ce pas, Monsieur Adam Aboubaka, au-delà même des frontières de l'espace défini par les 5 États membres du G5 Sahel. Parce que ce sommet a vu la représentation du Sénégal, du Ghana, du Maroc et bien d'autres organisations de l'Union européenne, de l'ONU, aussi de la CEDEAO, de la Ligue arabe, de l'Organisation internationale de la francophonie. Tout ceci témoigne de l'excellence de coopération que mène le Tchad dans l'espace du G5 Sahel. Il faut noter que le représentant de la Ligue arabe, en particulier Sadadine Al-Ousmani, qui est le premier vice-président du Royaume du Maroc, et il a déclaré pouvoir apporter son appui technique et financier lors de ces résolutions du G5 Sahel qui mènent une lutte juste et équitable. Et son État ne voit aucun défaut à pouvoir supporter et soutenir cette initiative. Le président de la République de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara, s'est fait représenter par Mamoudou Diamandé. Et lors de son intervention, il a aussi reconnu le leadership du maréchal du Tchad et a fait savoir à l'assistance que la Côte d'Ivoire
reste à jamais disposé à soutenir l'initiative du G5 Sahel. Il faut aussi noter là. Vous nous dites en clôture, non? Vous nous...